Good morning. Allez, Iden, les sucres aujourd'hui, le Lonishmat, Moriv Rabbi Shmuel, Ben Shlomo Zalman, Shlomo Binyamin, Ben Mazal, Baruch, Ben Jamil, Tarab, Cohen, Esther, Batsara, ainsi que leur foi, Tsara, Bat Betirivka, Refel, Zvulun, Ben Chayam, Alia, Noah, Rivka, Batsara, Sarit, Myriam, Bat Chassidam, Petor, Shah, Chol Israël. Si vous souhaitez, vous essayez une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions ma Sarat Rolin, Perigvet, Mishnah, Gimel. It is et Arosh, Bevatachat, Psula. Aya, Shochet, Ve, It is et Arosh. בבתחת, אם יש בסכין מלוא צוואר כשרה, היה שוחט ויתיז שני ראשים בבתחת, אם יש בסכין מלוא צוואר אחד כשרה, במה דברים אמורים בזמן שהוליך ולא הביא, או הביא ולא הוליך, אבל הוליך והביא אפילו כלשהו, אפילו באזמל כשרה. Et je m'arrête là pour le moment, on fera la deuxième partie ensuite, et on attaque tout de suite. On a commencé déjà cette Mishnah hier, je retraduis directement, et ça va nous permettre de nous remémorer tout ce qu'on a parlé. Et Tiz est à Roche Bevatachat. S'il a décapité, il a décapsulé, je ne sais pas, il a fait sauter la tête du poulet ou de l'animal d'un coup, c'est-à-dire il a enfoncé le couteau, trac, comme avec un coup de hache, avec son couteau, il a pris le couteau, il a enfoncé d'un coup le couteau comme ça, sans faire le geste de va-et-vient. Au lieu de trancher, il a décapité. Eh bien, la méchante scène que la shrita, elle est psula, elle est invalidée. D'accord, c'est ce qu'on appelle l'interdit de drassa, d'ores, qu'il a écrasé. Aya shochet, par contre, s'il était en train d'égorger, c'est-à-dire qu'il faisait le geste de trancher, vehetiz, et il a en plus de ça décapité, parce que lorsqu'il fait le geste de va-et-vient pour trancher, il met un peu de force dans le manche, histoire d'enfoncer un peu le couteau et que ça aille un peu plus vite, bien évidemment. Alors quoi? La Mishnah m'enchaîne et m'enseigne, donc je reprends les mots. Aya shochet, il était en train de trancher les simanim. La trachée artère et l'œsophage, Ve'itiz et Arosh Bevatachat, jusqu'à en arriver à décapiter la tête d'un coup. Imiash Basakin Melot Savar, s'il y avait dans la largeur du couteau, la largeur du cou, c'est-à-dire qu'il y avait deux fois le cou, en plus du couteau qui coupe, il y a au-dessus de l'espace où il pose le couteau pour commencer sa shrita, il y a de quoi avoir encore coupé un deuxième coup. D'accord, donc il fait deux fois la largeur du cou. Et bien la Mishnah m'enseigne que c'est kasher. D'accord, la shrita elle est validée, étant donné qu'il a cette fois-ci suffisamment fait le geste de balader le couteau pour trancher et sans l'enfoncer nettement. D'accord, il y a ici un coefficient suffisant, un rapport suffisant entre la force appliquée dans le couteau et le geste de va-et-vient pour définir que ça a été une shrita et pas une drassa. Ça a été tranché et ça n'a pas été décapité. Ok ? Maintenant, la Mishnah continue en prenant. On a expliqué, bon, j'aime tout ça bien à l'oral. Et maintenant, la Mishnah continue avec un nouveau cas de figure, c'est le même principe. Aya shochet ve'itiz shner ashin bevatachat. Vous vous rappelez, dans la Mishnah précédente, on avait appris qu'on pouvait faire la shrita à deux poulets en même temps si on voulait. Donc imaginez maintenant qu'il a pris deux couteaux, deux poulets, avec un couteau qui n'est pas tellement long. Mais quoi ? Il a. Donc, la Mishnah enseigne, Aya Shochet, il était en train de trancher les simanim. Ve'etiz, Shner Hashim Bevatachat. Il a décapité deux poulets en même temps, deux animaux en même temps, ça peut même être des vaches. Eh bien, de nouveau, Imiyesh Basakin Melot Savar Echad, Shera. S'il y a dans le couteau la largeur d'un seul coup en plus, ça suffit. C'est-à-dire, je fais la largeur, disons, la largeur d'un coup de poulet, c'est, je ne sais pas, moi, 8 cm. Eh bien, donc je prends les deux poulets et je vais faire avec mon couteau avec un geste, tac, je vais couper les deux poulets. Donc, je t'en ai dit quoi? Je ne sais pas, 8 cm, j'ai un peu forcé sur la dose, mais j'ai aucune idée. Donc imaginez, j'ai 8 cm et 8 cm. Et eh bien, la Mishnah enseigne que tu dois avoir 8 cm supplémentaires, donc 24 cm. Et tu commences maintenant à faire ton geste d'un coup, tu fais tout passer. Et même si tu as décapité les têtes, c'est cachère, parce que tu as aussi fait le geste de va-et-vient. Et il y avait suffisamment de quoi trancher ainsi. Maintenant, puisque le Mishnah maintenant m'a donné une taille, finalement il s'avère qu'on a une taille de couteau requise. Il faut nécessairement que le couteau soit assez long pour pouvoir trancher et non décapiter en enfonçant le couteau. Dans quelle situation ces paroles ont été dites, c'est-à-dire dans quelle situation j'ai imposé d'avoir un couteau assez long qui est façon à deux fois la largeur de l'animal, bisman chez Olir Velovi,
dans le cas où il a fait, il a poussé le couteau sans le rapporter. Ou orévi velolir. Ou encore, il a ramené le couteau vers lui en tranchant, mais sans ensuite le ramener. Alors dans ce cas-là, je te dis, la largeur minimale du couteau, elle doit faire deux fois la largeur du cou. Mais avalim holir feyevi. Par contre, s'il a fait le geste de va et vient sans arrêt, il tranche comme ça, eh bien, afilo kol shehu, même si le couteau il est tout petit, un tout petit peu plus large que le cou, avec une lame de rasoir, comme la Mishnah me dit tout de suite, afilo beizmel, même avec une lame de rasoir. On va expliquer c'est quoi le izmel exactement, il y en a la fin particulière à porter dans le bartenora. En tout cas, même avec cette lame de rasoir, ben c'est kasher. Parce que là, même si tu as fait le geste comme ça, comme le, en violon, ou, d'accord, tu fais le geste avec un couteau très large. Et puis là, ça s'appelle que tu as tranché. On n'a aucun problème que tu changes de direction et que tu reviens sans arrêt. Et l'essentiel, c'est de trancher et ne pas enfoncer. Le Ismaël, plus précisément, c'est le couteau du barbier. Je ne sais pas, on voit parfois, je ne sais pas dans quelle situation, on voit que ça existe encore ce couteau où il y a au bout de la lame deux pics, comme ça. D'accord? Et je ne sais pas, j'ai en tête un couteau à beurre de l'époque où il se finissait avec une pointe comme ça. En fait, ça se séparait en deux pointes. Ou, peu importe, il y avait dans le Ismel, c'est une sorte de lame de la sorte, du barbier. Je crois que c'est du barbier. Ils n'ont pas précisé. Je ne sais pas pourquoi j'ai en tête que le Ismel, c'est spécialement pour se raser. En tout cas, le Ismel, il a un endroit, donc, il a dans les pics du couteau, il a deux spitzim, deux pointes. Et la Mishnah m'enseigne. En réalité, je te permets de couper avec un Ismaël, mais c'est à condition que ce petit Ismaël, cette petite lame de rasoir, n'ait pas les bouts en pointe. Par contre, s'il y a les bouts en pointe, je t'interdis, on nous interdit de couper avec ce couteau. Pourquoi? Pour la simple raison que on craint que lorsque tu vas faire le va-et-vient, il va y avoir la pointe de la lame qui va s'enfoncer dans le siman. Et alors là, ça va devenir assourd. D'accord? Comme ce qu'on avait appris, que c'était un des psoules qui s'appelait, je ne sais plus lequel, Agrama, je crois, Ikour. Ça s'appelle Ikour. Parce que cette fois-ci, ça s'appelle que tu as arraché le siman. Vous vous rappelez? On avait dit qu'il faut couper en harmonie, harmonieusement. C'est-à-dire, si vous faites attention, en fait, on a déjà appris maintenant une nouvelle halakha. On a appris la première règle qu'il ne faut pas perforer, il ne faut pas arracher le siman. C'est pour ça qu'il ne fallait pas couper avec un couteau qui a des dents de scie, par exemple. Et avec le même principe, avec le Ismaël qui a des pointes, il ne faut pas couper avec deux peurs que tu vas te mettre à arracher un bout du siman. Ça, c'est un. On a appris à présent l'interdit de drassa, d'enfoncer le couteau. Au lieu d'arracher le siman, il y a maintenant aussi un interdit d'enfoncer le couteau. Il faut nécessairement le couper tout en va-et-vient. Même si le couteau il est petit, comme ce qu'on a pris jusqu'à maintenant. On va prendre maintenant une troisième halakha qui s'appelle la Sheiya, mais pas tout de suite en fait. Il faut d'abord, on va lire la Mishnah, il y a encore deux cas de figure à prendre dans la Mishnah. Nafla sakin ve shachata, af alpi, she shachata kedarka, psula, she ne'emar ve zavarta ve achalta, ma shata zoveach, ata ochel. Voilà pour la deuxième partie de la Mishnah, on la traduit tout de suite. Situation très simple. Nafla sakin ve shachata, il a fait tomber son couteau de sa main. J'avais mon couteau qui était posé par exemple, et j'ai pas fait attention, j'ai ramené mon stender. Mon couteau il est tombé. Il y avait quelqu'un qui était en face, il m'a dit, waouh, t'as pas vu, phénoménal ce qui s'est passé. Le couteau, il est passé à côté du cou du poulet, il a tranché, il a fait une shrita la méadrine des simanim. Parfaitement, c'est tombé super bien, bidouk, ça a coupé comme il fallait. Est-ce que la shrita elle est kshera ou non? La Mishnah m'enseigne que non. Nafla sakin veshachata. Si le couteau est tombé et qu'il a égorgé, il a fait l'abattage, il a tranché les simanim comme il faut. Bien qu'il ait tranché les simanim, les deux conduits, le trache artère, l'œsophage, kedarka, comme ce qu'il faut, malgré tout, psula, c'est invalidé. La shritel est invalidée. Pourquoi chez Neymar? Mais avarta veachalta. Tu égorgeras, tu feras l'abattage et tu consommeras. Mashata zoveach ata ochel. Ce que tu as, toi, activement égorgé, alors tu auras le droit de le manger. Et non, quand ça tombait tout seul. Par contre, si toutefois tu as fait le geste, mais sans faire exprès, ça va être allusionné en fait entre les lignes de la prochaine de la suite de la Mishnah, mais comme ça ne va pas être écrit, donc je vous le dis tout de suite, j'avais mon couteau dans la main, et je l'ai baissé comme ça, et puis il s'avère que il y avait mon si cher petit oiseau qui était sous mon siège,
Et je l'ai tranché. Et il y avait quelqu'un qui m'a dit, tu l'as fait une shrita, la méhadrine. Parfaitement, le couteau, tac. Je vérifie mon glaive, parfaitement, bien lisse. Donc je l'ai fait une shrita, je l'ai fait activement, sans intention. Et bien, c'est kasher. D'accord? Maintenant, la Mishnah, elle va parler d'un cas plus compliqué pour m'apprendre une autre halakha. Et je commence à lire et traduire. Et on traduira ensuite. Nafla sakin veigbiya, naflo kela veigbihan, shchizet sakin veaf, uba chavero veshachat, imsha kede shchita psula. Rabbi Shimon Omer, imsha kede bikur. Il y a un grand problème dans cette Mishnah, c'est qu'elle nous rentre dans des cas, elle va préciser des cas de figure, en réalité on s'en moque des cas, il n'y a pas de grand chidouche dans les cas, il y a juste un principe qu'il faut connaître, c'est le principe de shehiya, de faire une pause lorsqu'on égorge. La Mishnah enseigne, Nafla sakin veigbiya, si ton couteau il est tombé et que tu l'as relevé, ou même mieux que ça, Naflu kelav veigbiya, c'était pas juste mon couteau qui est tombé et que j'ai relevé, c'était tout mon ceinturon, j'avais dedans mon glaive. Il est tombé, et donc j'ai ramassé tout le ceinturon, et il s'avère que j'ai aussi relevé en même temps mon couteau, et bien sûr, comme dans un film, le couteau il est parti, il a fait une shrita parfaite. Ou encore, ishrizet asakin, ou encore, il était en train d'aiguiser son couteau, ve'af, alors ve'af, c'est pas le couteau qui s'est envolé, il a chaud de la ouf, mais ve'it ayef, et il a éprouvé une fatigue. Ou bach avero ve'sharat, ou encore, son copain est venu ensuite et a continué sa shrita qu'il était en train de faire. La Mishnah est entrée dans des cas compliqués, le principe est si simple. Je suis sûr que vous ne comprenez rien, mais pour le moment j'avance. Imsha kele shrita psula. S'il a patienté, il a attendu le temps de faire une shrita, eh bien la shrita est invalidée. Et on explique en réalité. Le principe de la Mishnah, il est très très simple. Il faut juste m'apprendre quelque chose, ce qui est écrit en fait dans la dernière phrase. Quelle que soit la manière dont tu as égorgé, ta shrita, elle peut être kshera, et valider en soi-même, même si tu n'as plus d'intention, comme ce qu'on a dit, tu as voulu rentrer ton glaive dans l'écrin, tu as voulu relever ton ceinturon, et il y avait dedans ton couteau, et tu as égorgé quelqu'un, tu as égorgé l'animal, peu importe, la shrita elle est en théorie bonne, mais à une seule condition, que tu n'aies pas marqué de pause. Si pendant que tu étais en train de couper, si pendant que ça a coupé, tu as marqué une pause, et quelqu'un d'autre, par exemple, il est venu, il a continué, ou même toi-même, tu es venu et tu as continué la shrita, ou encore, tu étais en train de t'égorger, puis tu as eu un coup de barre, là, un peu. Tu as fermé les yeux, tu as respiré un peu fortement et tu as continué la shrita. Donc tu as marqué une pause. Eh bien, cette pause-là, elle est problématique. La Mishnah enseigne Imshaha kele shrita. Si la patiente est suffisamment le temps de refaire une deuxième shrita, eh bien, psula, la shrita, elle est invalidée. Tu as attendu trop longtemps. C'est-à-dire, selon la Mishnah, on a le droit de marquer une petite pause pendant qu'on égorge, à condition de. Que ce ne soit pas le temps requis pour recommencer une nouvelle shrita sur un nouvel animal. Plus précisément, même pour le mettre à plat, à terre, et égorger l'animal et l'attacher. Ça prend un certain temps. Donc en fait, selon la Mishnah, en réalité, on aurait au moins une, deux minutes, une minute peut-être, que si on s'est arrêté pendant la pleine shrita, c'est encore kasher. Comme ça, apparemment, la Mishnah semble le dire. Pour la halakha, on est très marmir sur cette halakha, que ce soit fait immédiatement, qu'il n'y ait aucune pause. Qu'on tranche jusqu'à ce que l'animal est mort. D'accord ? Ça va prendre dans le petit Fat Israël, le petit Sikoum de Halakha. Voilà pour l'avis de Tanakama. Et Rabbi Shimon Omer, Imshara Kelebiko. Rabbi Shimon vient et te dit non, il ne faut pas attendre de quoi faire une shrita entièrement, mais plutôt de quoi vérifier le couteau. Vous savez bien, on aura l'occasion de voir que le couteau, une fois qu'on a fini d'écorcher, il faut vérifier le couteau, qu'il soit lisse, qu'il n'y ait aucune guima, qu'il n'y ait aucun coup. Pourquoi ? Parce que, comme ce qu'on a appris maintenant, vous êtes capable de dire, sinon ça s'appelle Ikour. Si toutefois le couteau il a une petite fente, eh bien il va y avoir un problème. C'est que lorsqu'on va faire la shrita, on ne va plus couper en harmonie. Il va y avoir un moment, il va y avoir une pause, et le pic va venir derrière et va arracher le siman. Et ça, c'est pasoul. Ça invalide la shrita. D'accord? Donc, il faut vérifier le couteau. Rabbi Shimon me dit, sache que. L'intervalle de temps qui invalide la shrita, ce n'est pas la peine de faire une shrita entièrement. Il suffit que si tu as patienté de quoi vérifier le couteau, ça suffit pour invalider la shrita. La halakha n'est pas établie comme Tanakama, mais même comme Rabbi Shimon, même pas non plus comme Tanakama, étant donné qu'on a le minhag d'être mahmir, de ne rien patienter, même pas une seconde, sans arrêt, trancher jusqu'à ce qu'on a fini de trancher tous les simanim. Ça, c'est pour la halakha. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.